Et à chaque fois que je terminais une sorte de niveau, donc au début on est allé dans l'école. Donc ça veut sûrement dire quelque chose, hein, j'ai pas encore compris, mais on a commencé par l'école, ensuite on allait dans l'hôpital. Et à chaque fois, à chaque fin de niveau, donc quand on a fini l'école, on rentrait dans une télé. On rentrait dans une télé. Le personnage était attiré par la télé, et quand j'étais dans la télé, il y avait un long couloir, et j'essayais d'aller jusqu'au bout. La première fois, je suis pas allé bien loin, je suis ressorti. C'est ma copine qui m'a ressorti. Deuxième télé, je suis allé presque au bout du couloir. Et troisième télé, c'est là où c'est ce qui vient de se passer. Je suis rentré dans le couloir. J'ai ouvert la porte, et là, il y avait un grand monsieur, genre horrible. Un grand monsieur avec un chapeau qui m'a commencé à me chase. Je me suis caché, et il a détruit ma meuf. Je crois qu'elle est morte, mais je suis pas sûr. Et moi, j'étais caché sous le lit. Bah là, vous voyez plus, parce que lui, il est en miettes, là, vous voyez. Et elle s'est fait prendre ici. Et voilà. Voilà le résumé. Donc je suis actuellement solo. J'imagine que c'est peut-être soit le boss final, je sais pas. Et ça fait bizarre de se retrouver seul. Et sinon voilà, bah j'ai pas plus d'infos quoi. J'ai pas plus d'infos les mecs. Normalement le son est fine. Hein. Moi j'entends pas très fort en vrai, c'est bizarre. Après je sais pas si c'est parce qu'il y a pas beaucoup de son. Oh putain, une télé. C'est terrible. Ah oui, non, je suis... Pardon, je viens de dire le dernier truc. Après qu'elle ait tué ma copine, on est ressorti du lit. Et en fait, je suis retourné dans la télé. Cette fois-ci, je suis vraiment rentré pour aller la chercher. Parce que, à mon avis, le mec, il l'a pris et il l'a emmené dans la télé, tu vois. Et du coup, moi, je suis rentré dans la télé pour aller la sauver. Du coup, cette télé, c'est une télé dans une télé, actuellement. C'est une téléception, là. Parce que je suis déjà dans une télé, là. Ok, je suis en train. Ok, c'est des téléporteurs. C'est des téléporteurs. J'en veux qu'un, humoriste. En vrai, il faudrait que je fasse ça, que j'ouvre la porte et que je reprenne le téléporteur et du coup, je me TP de l'autre côté, quoi. Vous avez compris. Donc là, on est dans le monde un peu virtuel, quoi. Il a toujours plu, hein. Tout le temps il a plu. Enfin, il n'y a pas un moment où il a pas plu. Moi, si je peux vous donner un peu mon idée de ce qui se passe, je dirais que je suis. Déjà, le jeu s'appelle Petit Cauchemar. Je dirais pas que je fais un rêve en vrai. Je trouvais ça bidon que le jeu s'appelle Cauchemar et que je fasse un rêve. Mais je dirais que j'ai failli. Soit je suis mort, soit je revis mon enfance dans un rêve ou un truc comme ça, tu vois. Bon, en vrai, je sais pas trop. Je sais pas comment faire. Ok. Ça c'est fine. Ah, désolé, parce qu'en fait, le jeu est très moche graphiquement et je me suis pas rendu compte que c'était le vide en dessous. Comment ça, un sub? Oh non, commencez pas. Prends pas la dinguerie, s'il vous plaît. Prends pas la dinguerie des subs à chaque mort, là. En vrai, je suis bientôt à la fin du jeu, je peux le faire, en vrai. Mais on compte pas celle-là. Si on ne compte pas cette mort, je veux bien faire un sub à mort à partir de maintenant. Mais on ne compte pas cette mort. Si vous voulez, je compte cette mort. Je vous donne un sub, mais on le fait plus de la soirée. Vous décidez. Ok, il compte pas, let's go. Ok. Ça commence bien, mais c'est rien ça, c'est rien du tout. C'est pas une mort ça. Merci Termina pour le sub offert. Nous sommes donc à zéro. Actuellement, zéro argent perdu sur le compte du streamer français. Télécommande, j'allume. Oh bon Dieu. Je rentre dedans. Ok, c'est très simple. Et merci beaucoup, et juste pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup, Mouza. Je peux rentrer dans cette télé en sautant? Ça me paraît complexe. Hein. J'ai pas l'impression. Vu qu'elle est en l'air, je peux pas rentrer dedans là. Terrible. Ou alors je l'éteins?
Est-ce que je suis censé comprendre? Vous comprenez quelque chose là? Attends, je reviens, j'ai raté un truc, vous pensez? Ah mais cette télé, je suis allé dedans. Attendez. Ah ça y est, je pue la merde déjà? À quel moment je pue la merde? Ah vous pensez que je peux tomber? Ah mais oui, vous avez raison. Ah oui, pardon. Ah mais moi, vous m'avez dit une mort, un sub offert, toutes les chutes vont me faire stresser en fait. C'est pas une dinguerie ça, la porte là. On est d'accord. Ça serait vraiment cringe. Ok, j'allume cette télé. Et je rentre dedans. Et là, je me TP. Open. Ok. Bon, là, c'est foutu de ma gueule. Mais si jamais... Si jamais... Et là, je vais poser une question qui va vous turlupiner normalement. C'est quoi, c'est un chapeau? Ah oui. Je ressemble à quoi, mec? Si jamais j'éteins la télé, je ne peux pas me téléporter dans cette télé puisqu'elle est éteinte. Eh oui, Capitaine Poirot. Putain, par contre, je peux pas remonter par là. Oh, c'est trop! Je pense que c'est ça la solution, ouais. Dommage que je puisse pas remonter. Oh, fais chier, putain. On va refaire un tour de télé, les mecs. Un petit tour de télé. Et là, on éteint. J'éteins la télé. Et là il va me téléporter où là? Là il est obligé de me téléporter autre part, sinon c'est un tricheur. Et vous savez ce qu'on fait les tricheurs? On les accepte pas. Mais ça fait rien. C'était pas ça! Mais je veux pas y croire une seule seconde! Mais c'est sûr que c'est ça! Mais je ne veux pas croire que ça soit pas ça en fait! C'est pas possible! Incroyable! La dinguerie qui m'arrive là! Une des plus grosses dingueries qui nous est jamais arrivée là! Je peux pas monter là. On prend ça, je pense. Oh, non. Ah putain, la télé n'avait rien à voir avec. Putain, mais c'était pas la télé la solution en fait. Attends, mais je fais quoi avec ça? En vrai, je monte pas. Hein. Là, par là. Ok, on doit pouvoir faire un truc avec ce chariot. En tout cas, je peux pas m'agripper dessus. Donc il faut que je le positionne. T'es sûr que je peux pas m'agripper? En fait, je pense qu'il faut éteindre les télés en fait. Les mecs, je peux pas m'agripper. Je suis une merde ou quoi? Ah? Peut-être de ce côté-là? C'est possible, hein? Qu'il y avait qu'un côté? Non? Mais what the fuck? Pourquoi il m'arrive dinguerie sur dinguerie? Genre là, vous avez trouvé dans le chat.
Ça m'a l'air quand même d'être une sacrée dinguerie ce qui nous arrive là. En termes d'énigmes là. Oh! Je suis sur un passage secret. Je vais le reprendre hein. Elle me pète les couilles la musique. Putain, la télécommande m'énerve en fait. Elle est super embêtante. À quoi ça sert de faire ça? À rien. Mais putain, je suis une merde hein. Les mecs, je suis nul à chier ou quoi genre? J'ai perdu mon cuit. Attends mais je pouvais pas l'atteindre ça? Si ça se trouve je dois juste le placer correctement, reprendre la télé et j'ai une plateforme pour m'en sortir non? C'est peut-être juste ça la solution. En fait je me suis pas rendu compte que cette télé était pas loin de la première partie. C'est peut-être ça non? Le truc c'est que je peux pas faire demi-tour parce que la télé est éteinte, je crois que je peux pas rentrer dedans. Eh je peux pas rentrer dedans les frères. Comment je fais demi-tour? Ah oui non si je peux par là. Ah mais putain. En fait les télés étaient éloignées en fait. Elles étaient pas si éloignées en fait. C'était juste la pièce d'à côté. C'était pas logique dans ma façon de penser. Ah non mais attends mais comment je suis passé tout à l'heure? Non mais c'est même pas par là en fait. Mais attendez mais. Mais. Là je peux pas remonter là. Je peux pas allumer la télé d'ici. Oh! Mais quel surhomme! Ok, on est bien là. Ok, là je peux faire demi-tour. Lui je l'ai placé à peu près correctement. On rentre dedans. Mais on a quand même un problème, comment je passe le haut là? Me dites pas avec un saut. Si ça peut peut-être passer en vrai. C'est ça, c'est ça. Et là? Let's go! J'aime quand je suis pixel comme ça. Je me fais plaisir. Merci Ethan, merci beaucoup. Et merci pour les 2 €. Je regardais un don! Ça compte pas comme un sub, j'en ai rien à foutre, je regardais un don. Méfie-toi de ce qu'ils disent dans le chat, les... Oui, non, t'inquiète. Putain, ça m'a fait respawn là! Oh, ça pète les couilles! Oh, c'est chiant! Je sais pas si en plus... Putain, la perte de temps! Pour 2 balles! Ça va, en vrai. Non, c'est pas un sub. Il n'y a même pas de débat, hein. C'est même pas un sub. Il n'y a même pas de débat, ce n'est pas un sub. Oh bon dieu. Eh mais si je lui éteins la télé, elle va péter un câble, non? Oh mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Pourquoi ils nous ont mis cette mécanique? Ça n'a pas de sens. Bah ouais, je dois faire un sub, c'est bon. C'est bon, en plus. Mais le truc, c'est que c'est...
En fait, je me suis dit, il va sûrement se passer une dinguerie. Parce que d'habitude, il se passe tout le temps une dinguerie quand je fais rien. Et je me suis dit, là, je vais anticiper le fait que la dinguerie, c'était de pas faire ça. Alors que non, en fait, ils sont juste hypnotisés par la télé. Et j'ai juste à bouger normalement, tant que la télé est allumée, et allumer les télés si jamais il y a des gens. Mais du coup, la pièce, elle servait à rien. Elle m'a rien appris, la pièce. Je savais déjà ça. Je me suis dit qu'il y avait une nouvelle mécanique. Putain, ce subwoofer, il est vraiment à chier parce que c'est un subwoofer où j'ai juste surestimé le jeu, en fait. C'est dommage. C'était vraiment juste, je l'ai surestimé et ça m'a coûté cher. Je peux pas passer là? Sérieux? Oh frérot. Oh pas moi. Moi. Je vais rentrer dans le four. Attends, quoi? Non, le portail est fermé. Oh, me dites pas que... Oh, il y a la télé. Ah mais oui, mais attendez, ça... je vais devoir passer devant elle là. Mais elle va peut-être pas être contente, non? Ok, est-ce que vous pensez que la dinguerie, c'est que quand je passe devant elle, elle s'énerve et que du coup je puisse pas prendre la télé et que je doive éteindre la télé, la faire bouger, rallumer la télé et rentrer dedans? Ou est-ce que je rentre dedans et je ferme ma gueule? Il y a deux possibilités. Soit là je rentre dedans, je ferme ma gueule. Soit je commence à faire une technique, genre esquive canapé rotatif, je passe à gauche du canapé, elle me poursuit, je rallume la télé avec un backseat. J'ai peur. Ah! Le chat m'a tout le chat m'a dit fonce. Je pense qu'on va en cancel ce sub. L'entièreté du chat m'a dit fonce. Je pense qu'ils... Leur but était que je meure. Personne n'a dit esquive. Par contre, comment je fais pour le pas l'énerver là? Je peux me cacher, tu penses? Ah, elle a été attirée par l'autre télé, d'accord. Ok. J'aime bien la mécanique en vrai. Beaucoup mieux que cette lampe de merde de l'hôpital. Ok, on est à un sub pour l'instant. On est bien. Espérons que ça continue comme ceci. Ok les mecs, j'allume la télé de droite. Oh là mon personnage! Ah ouais, il est chaud non? Enfin, les frères, je troll zéro là. Il se fout de ma gueule? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un bug? Attends, je redescends pour voir là. C'est un bug, c'est pas possible. T'as des conneries, oui! Ah, c'est pas un bug! Non, mais attendez, il y a 100% de. Il doit y avoir un nombre de joueurs incalculables qui ont changé leur manette Xbox là-dessus là! C'est bon, il a fini ses conneries, ok. Ok, bah cool. Ok, il faut que j'éteigne celle de gauche sans crever. Je vais me cacher là en vrai. Ah non, attends, mais. Attendez, je suis stuck là. Le truc c'est que les mecs, cette télé là je peux pas la prendre puisqu'elle est en hauteur. Et les télés en hauteur, on a vu qu'on pouvait pas les prendre. Y'a quoi en bas là? Je peux pas m'agripper donc je suis obligé d'être par là. Putain, les énigmes sont complexes là. Ok, je vais sauter je pense. Ok frérot, fais comme ça. Ah oui, en fait il est allé sur l'autre télé, mais l'autre télé. Mais pourtant j'arrivais pas à allumer cette. Ah si, je peux rentrer dedans, ok.
J'avais pas vu qu'il y avait un petit truc. Oh putain! Oh putain! Oh c'est un connard! Oh putain! Ok, on est safe. Je regardais le chat. Je voulais savoir si des gens avaient la ref de Alex du Québec. J'ai regardé le chat. Je vous jure que c'est... Je vous jure que ce n'est pas de la mauvaise foi. Sur la vie de mon animal de compagnie, que je regardais le chat. Et vous pouvez voir que je regardais le chat. S'il vous plaît. Je voulais vérifier s'il y avait des gens qui avaient la ref. On reste à 1, s'il vous plaît. T'as pas d'animal? Si, mon chien s'appelle Voyou. Et il a 17 ans. Vous allez faire quoi? Ok, je mets 2. Vas-y, 2 subs, c'est bon. Allez, 2 subs. C'est bon. Qu'est-ce que je dois comprendre par ce que je vois là? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Une personne qui tombe? Est-ce que c'est genre ma vie qui s'effondre? Bah, je ne vais pas la prendre cette télé. Oh! Ça veut dire que si tu rentrais dedans, t'étais mort en fait. Les gens qui sont rentrés dedans la première fois, ils sont morts. J'ai esquivé une mort de ouf là. Parce que là, du coup, je passe là-dedans. Moi. Let's go! Une mort au moins, frérito! Ça, ça m'aime bien ça. Oula. Ok, on se cache là. Oh putain, je vais activer un truc là, c'est sûr. Je vais me cacher où? Ah, c'est des bâtards. C'est des bâtards. J'ai pas vu, moi, qu'il y avait... J'ai pas vu. J'avais tellement peur. Putain, la mort de merde. Chier. Le pire, c'est que... La soluce, elle est... Elle est comment, la soluce? Prendre les caisses? C'est que je n'ai même pas la solution. Je pense pas que je puisse sauter du saut. Hein. Attends, il y avait des trucs au début ou pas? Rien. À moins que je dois juste ouvrir, mais... Non, je pense pas. Je ne peux pas monter sur ces caisses là, vraiment. Je ne peux pas prendre ce truc. Et bah j'ai pas grand chose à faire. Je vais rallumer. Franchement c'est de la merde. J'éteins. Y a pas de télé hein. Je peux m'accrocher à ça? Non? Là y'a rien? Y'a pas un passage à droite là quand même? Arrêtez avec vos petits crocos aveugles, personne n'a la réponse s'il vous plaît. Respectez-vous un minimum. Trouvez la réponse et spammez les mots après si vous le voulez. Ne faites pas semblant d'avoir trouvé la réponse et de spammer les mots, hein. S'il vous plaît.
S'il vous plaît. C'est une énigme de classe S. S tiers peut-être. Autant vous dire que ce n'est pas à la portée de... Mais attends, mais on voit qui c'est derrière là. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je peux pas allumer une télé en speed? Non. Je ne peux pas bouger les caisses. C'est sûr ou pas? C'est sûr. Je ne peux pas bouger le seau, c'est sûr ou pas? C'est sûr? Désolé, mon cerveau n'est pas fait pour cette énigme, il y a un problème. Ah, peut-être que je dois attendre juste. Mais attendre quoi? Non mais en vrai, je suis en train de réfléchir les mecs. Le but c'est de tuer le mob en l'électrocutant, je pense. Donc en fait il faut que j'arrive à faire proc la porte là. C'est tout. Je pense que c'est juste ça en fait. Ah mais j'enlève la planche. Ok c'est bon, je viens de débloquer l'énigme. Oh le monstre. Gauche. Merde. Il faut bien repenser à leur mettre de l'autre côté, sinon tu meurs en plus. Ok. Est-ce que je rentre dans cette télé ou est-ce que ça va me faire une dinguerie hein? Franchement j'y vais pas les mecs hein. Je peux pas prendre de risques en fait. Je prendrai des risques en cas de dernier recours. Ok. Je pense que je vais pousser ça pour aller chercher l'interrupteur. Ça va ouvrir l'ascenseur, ça sera pas mal. Il y a une télé dans l'ascenseur. Oula, cette dinguerie là. Oh putain, on a une énigme de classe. De classe X. Oh pas ça bon dieu. Oh bon dieu pas ça. Pas maintenant, pas comme ça. Ah ouais t'es chaud toi. Mais je peux rentrer, je m'en bats les couilles. Ok. Je pense que le but c'est de le laisser ouvert. Là, vous voyez, j'aurais pu sauter par exemple. J'aurais pas dû le fermer déjà. Parce que là, je suis stuck là. Là, j'ai compris ce qui s'est passé là. Voilà. Ok. Le but, c'est d'aller au deuxième étage. Donc, il faut juste ouvrir et faire la même chose et c'est fine. Ouais. Énigme très simple. Franchement, je vais même peut-être dire que je suis un peu triste de la facilité de l'énigme. Je me permets. Je me permets de le dire. Parce qu'au final, il n'y a rien à faire en fait. Là, on va le faire redescendre. Merci Tréhout pour tes 5 mois, merci beaucoup. Bonsoir à toi. Là, on le fait descendre. Attends, comment on avait ouvert la porte? Ok. Ah, mais non, mais attends, elle s'était fermée toute seule. Ah non, je l'avais pas fermée en fait. Là, si je prends la télé, je suis en haut, là. Je pense que je sais, mais c'est chaud sa mère. C'est ça, je sais pas. C'est
ça, je pense, hein. Je pense que je meurs pas, hein, si je fais ça, hein. J'étais close niveau timing. Pourtant, j'ai été rapide, hein. J'ai été rapide, là, hein, les mecs, hein. Notre, là. J'avais mis la vitesse et tout, mais... plus rapide. Attends, quand tu fais des tours sur toi-même, il tombe? Non. Attends, j'ai rêvé ou j'ai viens de créer une mécanique Enfin, ils ont codé un truc en mode tu tournes sur toi-même, tu tombes. Non. Ok, non. Ok. Faut être pixel. Mais putain! C'est pas possible! J'ai peut-être... Fallait peut-être pas sauter? Putain, il m'arrive des dingueries là! Bordel! Je pense que j'ai sauté en vrai. Je le fais sans sauter, si ça marche pas, c'est que c'est pas la solution. Et que je suis juste trop intelligent pour le jeu. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça la solution, les mecs. No troll. Je suis choqué là que ce soit pas ça là. Et pourquoi je ferais pas dans l'autre sens? Là, je vais dans la télé. Je redescends, je prends la télé. Non! Bizarrement ils te laissent passer parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'il faut faire alors que dans les deux sens j'aurais pu y arriver normalement. C'est honteux. C'est honteux. Juste parce qu'ils ont le seum que je suis plus intelligent. Merci Nodaga. Terbida. Merci beaucoup. Oula. Oh pardon madame. Ça va? Oula, 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 oula. Pas d'inquiétude. L'important c'est de pas rundown. On saute dans la baignoire. Attends, je crois que je pouvais juste aller tout droit, non? Oh mon cerveau. Oh il est fondu mon cerveau. Non mais c'est grave là. Oh là là, c'est le pire sub de l'humanité celui-là. Je suis à 3 là. 4 4 4. Oh j'ai rundown ouais. Oh je suis dégoûté là. 5 euros pour une baignoire. C'est cher payé. Hein. Attends mais elle m'a totalement vu là. Je suis pas caché derrière. Si elle me course là je peux l'électrocuter ou pas? Impossible hein. Vous pensez que je peux le faire dans l'autre sens? Faut que je teste hein. Non mais je suis une merde mec. Je suis une merde. Je suis une merde humaine, c'est pas possible. D'avoir un level aussi catastrophique. Vous pensez que j'ai raté le saut ou... Est-ce que les mecs je peux retester le saut et ça compte pas comme une mort pour être sûr que c'est pas ça? S'il vous plaît laissez-moi essayer ce saut. Merci. C'est pas ça. C'est pas ça.
Essaye encore plus près. Ah, tu penses? Ah, mais c'est totalement ça en fait. Ah ouais, putain, mais le choix. Oh, c'est honteux! C'est honteux! Je sais même pas pourquoi elle est pas morte tout à l'heure. Elle devrait mourir 100 fois. Si sub. Ouais, c'est bon, j'ai compris. On annule le dernier sub. Oh, let's go. Bah 5, hein. Annulé. Oh, let's go. Let's go, les amis. On est si bien. De toute façon, je vais finir à 50 anyway, hein, je vous rassure. Bon. Ok, je peux lâcher, c'est une poubelle. Que... Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je me prends dinguerie sur dinguerie, le jeu me déteste! Le jeu est sur le chat en train d'essayer d'avoir un sub gratuit, je vais te le donner, hein, t'as pas besoin de faire tout cette dinguerie! J'ai un codeur sur le chat! C'est incroyable ma vie quand même! Merci Discord pour tes 4 mois, merci beaucoup! Oh putain, il a dit. Non mais celui-là il est annulé, c'est honteux ce qui m'est arrivé là. C'est même pas une vraie mort. Oh putain, le caddie dans les escaliers, un rêve d'enfant. Mais j'ai jamais eu de caddie et puis il y avait pas d'escalier, enfin je pouvais rien faire. Un rêve d'enfant qui se réalise. Oh la dinguerie. Où elle est maintenant les amis? Ok, en gros, le caddie me permet, si on est honnête, me permet d'aller à gauche. Si je rate pas mon saut, c'est pas pour rien que la planche est un petit peu avancée comme ça. Pour faire ce saut là. Qui permet d'enchaîner sur ce saut là. Qui permet d'aller ici. Qui me permet d'aller ici. Ici j'ai quoi? J'ai une boule. Un lit. Rien dessous. Ok, je dirais que j'ai qu'une boule ici. À quoi va me servir cette boule? Ah, je peux pas passer? What? Faut que j'enlève ça vraiment? Vraiment là? C'est ma vie là? Vraiment? Is that my life? Elle est où la boule? Je peux pas juste la tège là, en vrai? Dans l'interstice? Oh, les tricheurs! Ouh! Quoi? Non, ouais, c'est bon, ça m'a pété les couilles. Ok, y a autre chose là? Y a dehors vite fait, mais bon. Une chaise.
Il y a là. Ah, il y a un truc là-haut. Ah, attendez. Autre solution. Ah, mais peut-être que j'y aille avec la boule, hein. Parce que sinon, ça va servir à quoi que je fasse ça. Oh, je prends la corde. Oh, les perspectives dans le jeu, mec. Enfin, c'est vraiment un drame, par contre. Les perspectives... Là, j'étais parti pour faire une belle corde bien propre à la Tarzan. Un truc bien propre, tu vois, genre, qui fait plaisir à regarder. Je me retrouve comme un... Bah, comme une merde, hein, on va pas se mentir. Hein. Je passe pour un con alors que je suis pas censé passer pour un con. Attends, mais ça, c'est quoi, ça? Attends, me dites pas que c'était juste parce que la corde était fermée, là. Ah non, mais non, mais y a pas d'histoire de corde, vraiment, là. Incroyable. Tout le monde devait être bait par cette corde, c'est sûr. Y a pas que moi, quand même. Marche plus ma télécommande? Ah mais j'ai plus de courant en fait. Mais comment je sais si je l'allume ou pas? Ah mais j'en sais rien, j'ai appuyé 30 fois. Mais non, je pensais pas ça de toute façon. Parce que t'aies mis le courant ou non, tu peux pas savoir en fait. Je pense. En fait, on s'en fout si j'appuie ou pas. Oui. 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 Je vais mettre le caddie là, les mecs. Oh la dinguerie. Oh. Ok, faut vraiment le placer de manière à pouvoir vraiment... Je pense qu'il est pixel. C'est un très beau caddie. Je vais peut-être le pousser un petit peu comme ça. Comme ça, comme ça. Ok, let's go. Comment je monte en haut là? Je peux ou pas là? Je peux pas? Si, je peux par la droite? Ok, let's go. Ça veut dire... À partir du moment où ils ont mis stop tag, c'est que c'est pour ça. Ma carrière s'arrête pas là quand même là. Ah, il est cool le jeu. Mais non, sérieux là, vraiment? C'est ma vie ça, d'artiste? C'est pas possible, ça n'arrive qu'à moi ce genre de... Ah mais putain, j'aurais juste dû le poser. Ah mais en vrai, je suis con en vrai. Mais je crois que ça passe par contre, hein. Les mecs. Oh putain. Pour quelle raison j'allumerais cette télé là? J'ai besoin qu'il libère de l'espace? Ah non, parce que la télé va les faire arriver tous. Faut que je trouve juste une cachette, je pense. Le temps qu'ils prennent. Je dirais là, non? Comme ça? Faut que j'éteigne l'autre.
La question c'est qu'est-ce que ça m'a apporté? Ah bah je la rallume. Je rentre dedans. Oh merde. Pas de dinguerie please. Non, il ouvre la porte là. Ce soir, je m'applique. Merci Ido12 pour ton prime. Bienvenue sur le live. Toto, merci pour tes 26 mois. Oh putain. Est-ce que je rentre? Oh! Elle est là! Ah, j'y vais, je suis tête baissée. Mon cerveau ne fait qu'un. Elle n'est pas morte! Je peux pas l'aider? Non mais là, les mecs... Qu'une vie sa mère. Ok, là je suis safe là. Please. Stop les dinguerinos là.
Merci, voilà là, merci beaucoup de Ryu. Merci beaucoup pour les subs. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est la merde. Oh, je suis blessé. C'est l'âme de... C'est pas l'âme de ma copine, quand même. Oh. Non, c'est pas possible. On dirait une petite fille. J'espère que c'est pas elle. Ou alors c'est son âme qui me demande d'aller par là. Divine. Je sais pas si j'ai la force pour monter ça. Oh putain, c'est dur. C'est Interville là. L'image de fou. Oh, le wallpapers. Je peux pas bouger. Ah. Je suis dead. Il abandonne mon perso. Il enlève son carton. Je ne peux pas bouger, je vous jure, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger. Je le repousse. J'appuie sur avant. Développer un pouvoir là. Arrête. La boîte de nuit. Elle était là depuis le début. Elle était pas dans Among Us. La fameuse porte. Cette fois-ci, je vais enfin pouvoir l'ouvrir complètement.
et voir qu'est-ce qui se cache derrière. Des tables, des jouets, des portes. Montre-nous son visage. Bah, je vous l'ai montré vite fait. J'ai juste vérifié que c'était pas la fille. Je peux pas faire mieux, mais non, c'est pas la fille. Non, non, c'est un petit bonhomme aux cheveux noirs ou bleu foncé. D'ailleurs, je peux pas mettre de chapeau. Pourquoi on ne pouvait pas aller ici depuis le début? Qu'est-ce qui nous empêchait, genre? C'était nos... Oh là là, la dimension est complètement tordue, genre. C'est dans mon cerveau, je pense. C'était une porte que je n'arrivais pas à ouvrir. Hein. À mon avis. C'est long. Attends, j'ai vu mon ombre là. Attends, il se réveille. Ah mais la dimension est complètement baisée en fait. Monter plus haut. Faire par rapport à la musique là. Là, la musique me dit que c'est par là. Et si je vais là-bas, je n'entends plus. Cette dinguerie. Je peux pas aller sur la porte qui me demande. À moins que ce soit celle-ci. Non. Merde. Merde. Ah, cette porte et cette porte aussi. Peut-être que je l'ouvre ici. Je la pousse là. Faut pas que je rentre.
C'est les bois perdus dans Ocarina of Time, le truc là. J'ai l'impression que c'est celle-là. Merde. Je reviens. La fin. C'est la petite fille ? Non. Je l'ai appelée. Comment mon vieux temps ? Ah, trop bien, mais j'ai trouvé direct. Attends, calme-toi quand même, hein. Je viens de trouver une demi-seconde. Je peux peut-être pas l'arrêter par contre, hein. Peut-être juste passer. Oh non. Ah, je la casse. Je sais pas ce qu'elle est devenue par contre, là. Ça me terrorifie, j'espère qu'elle va bien quand même. Ça va la sauver peut-être. Ah, tu veux pas ? Tu te rends compte que t'es devenu ce qu'on fuyait ? Récupère tes... T'es pas mieux qu'eux, hein ? Cette boîte à musique qui te rend complètement folle. T'es turbo addict. Non mais attends, frérot, enfin, c'est quoi ça? Je l'ai appelé, elle m'a mis une tarte. Bah je vais arrêter de l'appeler hein, par contre. Hein. Je trouve une nouvelle technique. Hein. Ça va vite quand même là.
Je me demande vraiment ce que va être le dénouement, je ne comprends plus rien là. Oh putain. J'imagine que ça va être la dernière étape, ultime étape. Je le sens comme ça là. Avant que cette boîte à musique explose. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur qui s'effondre. J'ai l'impression que cette boîte de musique représente mon cauchemar. Ok, analyse du terrain. Merde, j'ai plus la... Allez là, ok. J'avais encore rien fait là. Cela s'il vous plaît. Quelle information, quelle mort nulle. Terminé. J'en peux plus de ce cauchemar, sérieux. Elle est devenue pire que tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça, putain? Pourquoi ça lui fait du mal que je l'appelle? Ça lui rappelle qui j'étais? Quand on était copains? Oh, elle rappe ici, là, non? Le méchant a dû lui donner cette boîte de musique, ça a dû la... La forêt, non? Ah, je suis léché, ça.
Mais le début est tellement mal parti que je pouvais pas réussir en fait. J'ai trop raté mon début de game. Dès le début j'étais en PLS. Ça avait même pas commencé. Cette merde, vous pensez que je dois suivre ce qu'elle fait? Oh! Mais qu'est-ce que t'as tu? Non mais là faut arrêter le nombre de morts, je vais mourir 100 fois là. Mais frérot, les mecs, faut que j'arrête de la suivre, elle est en train de me bait des sables. Désolé hein. Non mais... Je pense que c'était ça, hein, mais... Je sais pas où faut aller après. Oh, j'ai fait un glitch. Je vous avais dit depuis le début. Hein. Depuis le début, vous savez que je la sens pas. Je suis quand même le premier à en avoir parlé. Hein. De mes problèmes. Quand elle m'a poussé, vous vous rappelez? Quand elle m'a poussé? Tout le monde disait que j'étais de mauvaise foi. Vous vous rappelez? Elle m'avait poussé? Ou alors elle a essayé de me sauver d'un truc très grave qu'il y avait derrière la télé, mais. J'ai du mal à la pardonner là. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour ce message. On va passer par là. C'est assez... assez gluant. Hein.
Oula. Vous pensez que je suis dans une boucle? Je pense pas. Hein. J'ai l'impression que j'avance quand même. Ah, quoique, c'est le même œil. Hein. Attends, je fais un tour si je vois le même œil. Si je vois le même œil là, c'est que c'est pas possible. Ok. On va checker. Hein. Oh! Est-ce que je vais avoir ce qu'a eu la meuf, me transformer en méchant? Je suis dans mes ténèbres là. Je suis au plus profond de mes ténèbres, je viens d'être trahi. Ok. Je suis possédé là, vous pensez? Oh là, j'ai grandi. En train de devenir le mec au chapeau là ou quoi là. Ah non, pas trop. Non, je grandis sur la chaise. Je ressemble un peu, mais il est plus maigre lui, je trouve. Ah, je sais pas. Ah. Bon. Du coup, la fille était la méchante et lui c'était le gentil et j'ai sauvé la mauvaise personne. Je comprends rien. Ah, moi je me suis fait exprès de me faire prendre un moment pour être sûr parce que je m'en doutais et je suis mort quoi. Du coup on enlève un sub en vrai là-dessus. La fois où je me suis fait attraper par lui c'était vraiment parce que j'avais raison depuis le début quoi. C'est terrible. Mais attends, la pute en jaune là. C'est... Je vais tout casser en fait là. Je vais exploser un mur là. Cette connasse. Ah, faut que je fasse le 1 pour comprendre la suite. Oh putain. Vraiment? Mais attends, mais c'est pas normal. Il me faut le 1 pour comprendre la suite. Non, c'est censé être dans l'autre sens hein. Ah, c'était une dinguerie en vrai. Faut que je fasse le 1 les mecs hein. Faut que je fasse le 1 là. Le 2 est un préquel du 1. Mais let's go, ça veut dire que je l'ai fait dans le bon ordre du coup. Ah ouais, mais des fois c'est bien d'avoir dans l'autre sens. En vrai, dans ce genre de cas, c'est cool des deux côtés, tu vois. Oh putain, en fait là, le 2 est avant le 1. Bah du coup c'est pas mal en vrai pour moi. Attends, il y a une fin alternative? Mais comment j'aurais pu? Comment ça, il y a une fin alternative? Faut avoir toutes les ombres. Oh merde! Oh, je suis dégoûté! Attends, j'ai pas vu toutes les ombres. Oh merde! Et c'est une fin genre. Là, j'ai eu genre la mauvaise fin, il y avait une belle fin?
Ok, ok. Je vais regarder là. Je termine le crédit et je regarde la deuxième fin du coup. C'est un bonus, mais c'est la. Ok, ok. Ouais, du coup, soit tu faisais dans l'autre sens. Putain, la musique, elle est pixel cette musique. Hein. Elle est vraiment bien. On va devoir. Les mecs, on va devoir faire le 1. On va faire le 1, le chat. On va faire. Je vais programmer le 1. Il nous faut la suite là. Il était vraiment bien ce jeu. J'ai peur d'être déçu du 1 parce que vu que c'est le 2, ils l'ont forcément amélioré, tu vois. J'ai peur d'être un peu déçu du 1. Ça me fait un peu peur. Parce que c'est le 1 en mieux, quoi, en soi, tu vois. Ah ouais, il est vraiment bien le 1. Ok, ok. Vas-y, je vous fais confiance. Il y a un DLC dans le 1, mais je le prendrai, t'inquiète. Je vais aller regarder la fin alternative. Putain, je pensais pas avoir raté des trucs. Je pensais pas que c'était si important, ouais. Après, si ça se trouve, la cinématique va pas être si différente, tu vois. Demain, je live pas, mais en vrai, je le commence ce week-end, hein, je pense. On le commence samedi soir, je pense. Ça fait samedi soir, dimanche soir. Merci beaucoup, voilà la 18 subs. Ah ouais, mais moi aussi, je vais offrir 18 subs, ça me met bien, ça. Non, 17, hein, parce qu'à un moment, j'ai fait exprès de me faire... Ah non, mais les mecs, no troll. Il y a un moment, je vous jure, je me suis dit, le grand méchant qui me poursuit, j'en ai pas peur, j'ai l'impression que c'est moi-même. Je vais me laisser attraper, je vais faire semblant de foncer dans un mur, là, dans le train. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, alors que c'était un pré-shot monumental, en fait. N'est-ce pas? Hein? Donc on dit 17. Allez, let's go. 17, t'as jugé vendu. C'est parti. La cinématique va de mèche avec le début du 1. Bah tant mieux en vrai, parce que quand je vais commencer le 1... Par contre, ceux qui vont commencer le 1 sans avoir vu celui-là, ils vont... Enfin, ça va leur faire chier même. Alors là, c'est vraiment... Ça sera le stream pour les gens qui sont là ce soir, quoi. Enfin, les gens qui ont suivi ce let's play là, quoi. Il y a une cinématique après là? En vrai, la musique elle me met bien, moi je suis prêt à rester là en vrai. J'ai mis les replays sur ma chaîne secondaire, hein, si vous voulez voir tout le let's play les amis. Crocodile VOD replay. Je vous avoue que c'est pas monté, c'est rien, c'est en brut, mais vous avez la chaîne YouTube. Ah, il y a pas de cinématique après? Ok, ok, attends, vas-y, je passe. Ah, je peux pas passer? Bah, je vais sur internet, je vais regarder. Ah non, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé apparemment la fin alternative. Pourquoi quelqu'un m'a dit qu'il m'avait envoyé la fin alternative? En DM? Bah non. Qui c'est qui m'a dit qu'il m'avait envoyé un DM? Je te l'ai donné? Bah j'ai dû te mute Discord, mec, hein, je te le dis honnêtement là. T'as dû me péter les couilles, hein. Bah non, pourtant, je t'ai pas mute. Bah je sais pas pourquoi j'ai pas proc. Ton message a pas proc. Ah non, mais non, mais attends, mais c'est quoi ça? Mais c'est pas sur Discord que tu me l'as envoyé? En bit? Hein? Ça va vous? Ok, on regarde ça. On regarde la dinguerie. Qualité HD. Qu'est-ce que j'ai raté? Le 1 est meilleur que le 2. Putain, ça met bien, ouais. Ça proc quand cette cinématique? À quel moment elle proc? Après les crédits? Enfin, à la fin de l'autre cinématique? Ok.
Pourquoi il dit ça alors que c'est ça? Ah non, il explique dans la vidéo, ok. Là, on pourrait dire qu'elle sort de la télé après qu'elle m'ait abandonné. On est d'accord en pas, en termes de timing? Je dirais ça comme ça parce que je crois qu'elle rentre dans une télé à la fin. Peut-être pas une télé, mais... En tout cas, elle sort du monde. Elle sort du monde et... Et il y a son double maléfique. Je sais pas. Cette personne est méchante en fait. J'arrive pas à savoir si elle est méchante ou gentille, mais je pense qu'elle est méchante. Bon bah on verra sur le 1. Go pas me spoil en vrai les mecs. Hein. En vrai go zéro spoil et on se fait le 1. Ceux qui savent et qu'on fait le 1, bah... Vous me spoilez pas et je pense que je comprendrai quand je ferai le 1. J'avoue que là, du coup, moi, je reste encore un peu dans les ténèbres, quoi. C'est normal, tu vois. Je comprends que c'est frustrant pour vous que je sache pas, mais... Bah, je peux pas savoir, là, en vrai. J'arrive même pas à savoir si elle est gentille ou méchante, pour l'instant. Mais c'est bizarre, parce que si le 1, je la joue elle, je me dis, mais what the fuck, quoi. On va essayer de... Ou alors, dans le 1, on arrivera à comprendre pourquoi elle a réagi comme ça, quoi. Bon. Ok. Sacrée histoire, en vrai. Sacrée histoire. Après, c'est vrai qu'elle brisait des doigts quand même. Putain, il y avait l'OST. En vrai, l'OST, elle était pixel. Hein. L'OST. Elle était pixel. Il y avait des OST qui étaient vraiment insane. Hein. Je sais pas si je trouverais les bonnes. Ah putain, ils ont quand même pas mal de vues déjà. Je sais pas laquelle j'ai préféré. Mais à la fin, là, c'était vraiment bien. Celle-là, elle est bien en vrai. Hein. C'était peut-être ma préférée, moi. Je pense que c'était celle-là, ma préférée. Tu fais l'intro du 1 ? Non, je vais pas commencer le nouveau. Non, on se prépare ça ce week-end. Comme ça, les gens, ils dorment pas samedi soir. On se fait... Les mecs, samedi soir, on se fait... Enfin, limite, on le one-shot. Vous réservez samedi soir et dimanche soir ? On va le turbo one-shot ? C'est ma musique préférée celle-là, je pense. Le 1, je le one-shot. Je one-shot le 1, les mecs. Je one-shot le 1. Bah, en vrai, je le one-shot samedi. Samedi, genre 21h. 21h jusqu'à pas d'heure. Let's go. Hein. Je vous donne rendez-vous samedi, 21h. Je jouerai à LoL, genre avant, pour qu'on soit bien commencé à 21h pour le let's play. Après, moi, je vais mettre peut-être un peu de temps, hein, mais bon. Mais cette musique, elle est pixel, hein, c'est ma préférée, moi. C'est le passage que j'ai préféré en vrai. La musique de la maîtresse au piano. Ouais, j'avoue, elle est pas mal en vrai celle-là aussi. Non, il y aura pas de délai. Là, j'ai pas mis de délai. Mais samedi, je ferai un live ou je sais pas ce que je ferai sur LoL pour qu'il y ait pas de délai. Tu vois. Je me démerde. Bon, attends, faut que j'offre 17 subs. Moi, ça m'a pété les couilles ce soir. Ça m'a pété les couilles, ça. €84. Let's go. Tout ça parce que depuis le début, 100% de mes morts où j'ai offert des subs, je rappelle que c'est à cause d'elle. Mais on continue de dire que je suis de mauvaise foi. Alors que depuis le début, j'annonce que c'est sa faute. Elle m'a poussé, elle ne m'a pas récupéré la main quand j'ai sauté. Elle me l'en a fait voir de toutes les couleurs. Elle m'a int en permanence, mais c'est pas grave. Les mecs, je suis désolé, ça passe pas. C'est dommage en vrai là. Vous y êtes presque, hein, mais ça passe pas là. Putain, c'est dommage. Si proche du but. Ah ouais, attends, mais ça bug là où je rêve là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, c'est mon compte PayPal. Hein. Si je suis à zéro, je saute par la fenêtre, hein, je vais pas vous mentir. Attends, je vais essayer 1. Mon PC est en train de planter en fait là.
je ne peux même pas offrir un sub. Regardez mon compte PayPal vite fait hors live là. Pas vous mentir, on va peut-être sauter par la fenêtre dans pas longtemps. Mais putain, vous avez le temps que ça met déjà? C'est quand même pas normal. Je ne peux pas sub non plus, Twitch est cassé. Putain! Oh, bah j'ai réussi. Attends, c'est quelle musique vous voulez que j'écoute? Celle du piano, c'est laquelle? Je sais pas si vous avez retenu. Enfin, si vous les connaissez. La 7, parce que ça s'appelle Playtime. Attends, mais comment je sais laquelle est 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est quand tu découvres l'école, ça. Ça va être par là, je pense. Non? Ah, elle était bien, celle-là. Elle était bien, celle-là. Ah, c'est celle-là. Non, s'il vous plaît. Ils vont pas me péter les couilles, là, sérieux, là. Mais c'est pas possible. Comment ça, ça arrive? Pourquoi il y en a deux des subs? Attends, mais là, je viens de me faire baiser un sub, là, déjà. En vrai, j'attends, en vrai. Ah. Attends, les mecs, je viens de me faire baiser un sub, là. Non, mais attendez, vous venez de me la mettre à l'envers, là. Je viens de totalement comprendre, là. Bah, je vais sauter par la fenêtre. Oh, les musiques, elles sont insane. Bon, les mecs, samedi 21h là. Le rendez-vous est donné. Nous sommes beaucoup, les amis. Attends, faut que je remercie quand même. Parce qu'il y a Walala aussi qui s'est amusé à faire quand même. Il y a Norberito pour ton Prime. Bienvenue, mec, frérot. Merci beaucoup pour ce sub. Très content que ça vous plaise, le multigaming. Merci Mizu pour tes 3 mois. Merci pour les beats, Myjin. Merci Lucli pour les 5€. Et merci, ouais, XK pour les beats et Walala, merci beaucoup pour les... Ah non, mais ça fait plus, hein. Les 23 subs, frérot. Et merci Stylefire pour tes 2€. J'apprécie beaucoup le stream. Et de voir que t'animes aussi bien dans le multigaming que sur LoL, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Il y en a pas beaucoup qui arrivent. Merci beaucoup, mec, c'est gentil. Je pense que ça forge un streamer de streamer du LoL, hein. Après, tu peux streamer ce que tu veux, tu vois. Pour être tout à fait honnête, c'est un peu comme les poids de Rockly, tu vois. Streamer sur ce jeu, c'est tellement simple pour moi d'animer quand tu te tapes LOL, quoi. C'est un entraînement militaire, on va dire. Vas-y, bah les mecs, moi je vais vous laisser avec quelqu'un, puis je vais y aller. Demain, les mecs, je live pas, hein, vous m'en voulez pas. Hein. Demain, je live pas, je relive après-demain. En vrai, je vous aurais bien fait une game de LOL, mais... Oh. Non, j'ai pas très envie de jouer à LOL, en vrai. J'ai pas très envie de jouer à LOL. Je préfère finir sur une bonne note. Ça pourrait être terrible. Demain, peut-être je fais un... Non, en vrai, je peux pas faire de live demain. Il y a un monde où je... En vrai, le truc, c'est que je préfère pas faire de live que faire un live de genre 2 heures à chier, tu vois. Je préfère pas faire de live. Une live d'une heure, c'est vraiment de la merde. Vas-y, bah je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je sais pas si je vois quelqu'un. Y'a quelqu'un qui fait le jeu? En vrai, ça pourrait être cool. De découvrir des nouvelles personnes. Qui c'est qu'on peut régaler à dos, là?
Là, on peut régaler à plusieurs personnes, là. Elle ? Ok. J'aime beaucoup le côté wallpaper. Je vais... Malheureusement, je vais éviter, quoi. Ok, il est cool, lui. Il parle, en plus. Oh, je vais le régaler. Il a l'air trop gentil. Il a une tête de gentil, les mecs. Il parle ? Il est pas français ? Okay, genre oh, les Québécois. Okay, attends, genre bon, bah ça fera une touche d'humour dans le Let's Play Horror, hein, c'est parfait. Oh, vas-y, let's go en vrai. Ouais, c'est vrai. Tabernacle, je me fais courser, ça va mettre Mixside Pixel là. Vas-y, bon, les amis, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous après-demain potentiellement. Et soyez gentils avec lui, évidemment. Bon, je vous fais confiance de la façon là, les mecs, c'est full commun là. Vas-y, des bisous, à demain. Je vous mets la scène d'outro. Et merci Obitoche pour le prime. Putain, et t'as fait bête, je suis pixel quand même. Vas-y, je vous envoie chez. What the fuck?